Salut l'équipe, on se retrouve sur Edem. Vidéo particulière aujourd'hui parce que aujourd'hui on va montrer les items. Alors, vous disiez mais quel item qui parle? Aujourd'hui en fait on va montrer tous les items rares, les items limités qui sont plus revenus depuis et que j'ai tout parce que je suis un ancien joueur sur Edem. J'ai tout. Franchement, les items sur Edem en fait t'as énormément mais pas énormément. Parce que t'as des items qui peuvent revenir et des items qui pourra jamais revenir. Et c'est pour ça que je sépare les items rares et les items limités. En fait c'est deux choses différentes, c'est des trucs qui peuvent venir. Bah comme là, le 6x6, en fait on va regagner en ordre. Alors, le premier truc limité. Moi après je sais pas, je suis venu après 2023 en fait. Bah après, bah nouvel an en fait. Et je suis vieux, oui, mais je suis pas assez vieux pour tout savoir. Et les items les plus rares, c'est les... Alors, c'est une lanterne. C'est une lanterne qui est méga rare. Faisais pas qu'au véhicule, j'essaie de mettre les items rares dans les... Mais vu c'est tellement rare que j'ai mis dans les GESCO pour dire que c'est incroyable. Oui, j'ai deux lanternes, oui. C'est... On peut dire c'est l'insolence qui est là. Hop. Vous avez la lanterne. Alors, en fait, c'était à Noël en 2023 sur Edem que j'ai pas connu, malheureusement. Alors, je suis un OG, mais pas trop. Il manquait juste un mois que je jouais avant. Et je pouvais vivre, bah, avoir cet objet. Mais en fait, j'ai eu ça, cet objet, j'ai acheté à 2500. Ouais, on dit rien. Après, cet item, j'ai acheté par Janios. Ça c'est la lanterne de Janios. Je sais pas si c'est lequel le la Janios, mais je sais c'est la lanterne de Janios ça. Je l'ai acheté avant qu'il disparaît. Je suis un bâtard quand même. Ouais. Et en fait cet item c'est l'item la plus rare. En fait c'est l'item qui permet de montrer que vous êtes un objet. C'est pas juste un objet, c'est juste un objet pour dire que vous êtes un ancien. C'est pas un item voilà. C'est pas un item comme les autres, c'est juste un item pour dire que vous êtes un ancien, c'est vous êtes un ancêtre, vous avez connu tous les trucs. Et les gens se flessent avec ça en disant que vous êtes un ancien. Mais j'ai deux moi. Ça veut dire que je suis un big ancien, non? ok, mais non, on a vu cette lanterne. Alors, c'est la plus ancienne lanterne. Voilà, ce truc à confetti. Alors, le truc à confetti, vous allez dire, mais c'est quoi? C'est un truc qui est sorti dans les récompenses quotidiennes à l'époque. La date. Je sais pas. Faisais pas gaffe au skin de Toblus et c'est Ryan. faisais pas gaffe. Et voilà, ouais, le confetti c'est ça en fait. Hop. Voilà, c'est ce truc là. Ce truc qui est sorti une fois. Ou deux fois, je sais pas. En fait, je regarde pas trop dans les récompenses quotidiennes. Mais je sais, c'est tellement rare que personne l'a. Si vous demandez c'est quoi ça dans la Saromania, ils vont dire mais c'est quoi. C'est pour ça que je voulais pas trop montrer, c'est faire oublier l'objet en fait. Et en fait ça permet de faire du bruit comme ça là. Et c'est le seul objet. Bon maintenant il y a le sifflet d'Halloween qui est sorti récemment. Ça fait du bruit, c'est pareil, c'est un sorte de sifflet. C'est un peu similaire. Mais l'objet est rare. Limité. Limité je sais pas parce que c'est dans les récompenses quotidiennes mais... Une possibilité de revenir l'objet. Mais faut surveiller tous les jours dans les récompenses quotidiennes. Mais c'est très rare. Et je pense qu'ils vont jamais faire ressortir. Ou je sais pas, dans une fête. Ou l'anniversaire de Edem. Je sais pas. L'anniversaire de Edem. Ça. Alors ça c'est la télécommande. Alors, juste dire ça. Si quelqu'un... Ah, cet objet, disait dans les commentaires parce que personne l'a. En fait, c'est un item recherché. En fait, si vous êtes recherché par la police, si vous faites arrêter, en fait, vous perdez cette... Ah, putain. Qu'est-ce qu'ils auraient avec ce truc? En fait, vous le perdez avec avec les étoiles. En fait, quand vous l'allez en prison, ça disparaît. Et c'est pour ça que c'est super rare. Et je pense avant, ça n'ajustait pas les coffres. Et je mettais dans un autre compte et hop. Après, vous avez ça. Après, il y a eu le... Le pack d'œufs, j'ai eu 117 œufs, ouais j'ai fait 17 de plus. Mais faut les mettre dans le coffre et ça disparaît pas, mais ça c'est un ancien item. Alors, tout cet item c'est le truc de pack. Le truc le plus rare je peux dire c'est limité, c'est ça.
Ça peut revenir plus tard, je sais pas. Je vois pas dans le futur. Les roses en jaune, j'ai qu'un seul. Alors, ce qui veut dire que c'est. Je sais pas si c'est rare. Et c'était dans les récompenses quotidiennes, comme la fleur rouge. Et c'était un truc moins rare parce qu'il y a eu plein qui est sorti. Et vous verrez bien. Mais franchement, le truc le plus rare qui est, c'est ça. Le Happy Easter 2024. Un item où vous pouvez faire une danse avec les étoiles et. Ah, ça, je te dis, ça c'est limité. Mais limité comment? C'est juste l'écriture qui change plus tard. Ça sera Easter 2025, je sais pas. Et je sais, c'est limité, c'est rare. Et la Tegu bah super rare parce que tout le monde l'a perdu parce que c'était recherché. Le pack d'œufs peut revenir plus tard ou être modifié. Et la fleur, bah comme l'autre fleur, vous pouvez faire des cœurs. Prochain item, c'est Saint-Valentin, voilà. La golf. Saint-Valentin, il y avait juste la golf qui est sortie, mais après il y avait un item. C'est la rose. Oui, voilà, vous avez vu, c'est pas rare en fait. Tu fais que de ressortir dans les récompenses quotidiennes. Même ça, c'est un peu chiant. Et voilà, vous avez plein de roses en fait. C'est le truc qu'on peut voir le plus. Voilà, ça fait des cœurs et tout. C'est possible qu'il peut ressortir en Saint-Valentin. Alors, je dirais. En fait, quand c'est tout de suite dans les récompenses quotidiennes, où c'est un item qui est disparu, c'est pas tout de suite limité en fait. C'est un truc rare, mais c'est pas limité. Comme ça, on peut dire c'est rare, c'est juste qu'il faut regarder tous les jours les récompenses quotidiennes. Mais sinon, ouais. Alors là, c'était dans l'époque avec le match de foot. C'était pour l'Allemagne. C'était la mec qui était choisie être le principal pour le truc de foot. Et va eu ça, le ballon de foot. Et la fumée, que je vais pas faire parce que c'est tellement rare que je te dis c'est. Alors, c'est pas vraiment rare. C'est quand même de quelque chose de. Voilà. Ce truc qui peut peut-être ressortir plus tard, mais avec une nouvelle couleur ou. Je sais pas, ça dépend. Et le ballon de foot. Alors, le ballon de foot est tellement rare parce qu'en fait, c'est pas tous les années que l'Allemagne n'est pas choisie comme pays principal. C'est pour ça que le ballon est méga rare. Et pour cette vidéo, on va faire ces deux trucs. Bon, il y a tellement dans les coffres que voilà. Hop, vous avez une couleur rouge. Voilà. C'est tellement stylé, en plus vous pouvez avancer, ça m'aide à la fumée. Et ça, c'est un item rare. Pas limité, bien sûr. Ça peut être limité, mais pour l'instant, je sais pas trop. Après, c'est un event. Event égale limité, alors. Voilà. Hop, on va jeter par terre. Oui, vous pouvez jeter par terre et ça fait de la fumée. C'est stylé, c'est. J'ai carrément oublié, c'était grave stylé le truc avec le bain de foot à côté. Et après, vous avez la couleur vert. Et normalement, il y avait une couleur bleue. Qui est, je sais pas, je l'ai ou pas. En fait, j'ai fait la réserve de plus de rouge parce que c'était le GF à l'époque. Après, vous avez le vert. Et après, vous avez le bain de foot. Et pareil, vous pouvez mettre de la fumée par terre. Et ça fait de la fumée. Après, le bain de foot, c'est comme le truc de la lune. Vous pouvez frapper dessus. Voilà, vous pouvez jouer avec. J'ai tellement de ballons de foot que. Voilà. Bon, énormément, c'est pas énorme, mais. Et voilà. Alors, là, on parle pas d'items limités, mais des items disparus. C'est tellement rare en fait, c'est plus disponible dans la map. Alors, vous avez le petit donut qui est magnifique. Mais évitez de cliquer parce que c'est limité, c'est rare. On va éviter de faire ça. Après, vous voyez ça. C'est possible que ça peut ressortir pour Noël. C'est possible, hein. Après, je dis ça, mais voilà. Après, vous avez ça. Voilà. Et vous avez la tasse de café qui peut ressortir pour Noël. Et après, vous avez le chocolat chaud. Ça, c'est je pense, c'est le chocolat chaud, le café. Après, vous avez l'hot dog. L'hot dog, il a disparu dans la map. Il y a plus de trucs de hot dog, alors c'est rare. Et vous avez encore du café. Je sais pas s'il y a deux cafés. Attends. Non, c'est les mêmes. Je sais pas si c'est du café, mais une bizarre couleur quand même le truc. Hein. Après voilà, j'ai double truc, mais. Et voilà, vous avez la nourriture illimitée. J'ai quasiment tout.
Alors s'il me manque un peu, c'est normal parce que voilà. Mais voilà. Hop, on va remettre ça. Alors, les trucs d'Halloween, en fait, il y avait déjà le pack. Ça, c'est limité, ça. Ça repère pas, en fait. C'est disparu. En fait, c'est un truc d'event. Et égal event, bah, ça disparaît. C'est plus disponible. Alors, c'est limité. Pareil pour l'aspirateur. Voilà. Vous avez la boîte. À éviter de cliquer dessus. J'ai qu'un seul. En plus, c'est coûté 10 000 bonbons. C'est énorme. La lanterne. Qui est magnifique. Le sifflet. Et le ballon. Bon, le ballon de citrouille. Voilà. Ça fait de la fumée verte, c'est stylé. Le truc qui a une tête, mais. Ah, c'est voilà. Bon, il a une tête, mais vite fait en fait. Hein. Il est un peu dégueulasse. Hein. Vous pouvez mieux faire un truc. Hein. Bon, on va jeter ça de loin parce que c'est horrible. Hop. Bon, bah voilà, on a montré tous les items rares. Vous voyez dans l'écran tous les items limités et les trucs rares qui n'ont pas encore arrivé sur le jeu ou ils sont disparus, voilà. Les trucs disparus, c'est quand ça apparaît plus, bah c'est rare. Mais voilà, vous avez vu tous les items rares, tous les items limités. Et je vous dis dans la future vidéo, allez à toutes.